peut-être bientôt avec le carton 0-3 en 83, on va voir comment on va réagir. Voilà, il est en troisième position. Le rapport, quoi plus forte alors que ça poudre davantage. L'extérieur et la sortie des défenses de numéro 2, la bande en dans les droites. Yeah.
600 centimètres cubes. Peut-être Philippe Tesson qui va prendre le premier et sortir de ce virage. Non, ce n'est pas le carte 83 comme il l'avait fait en première manche. Attention parce que monsieur Gazouane est là derrière également. Non, c'est Carrel, ouais, c'est Carrel. Le carte 139, c'est bien Carrel. Et il a pris la troisième place en la seconde manche. Et pour l'instant, on est en train de résister. Monsieur Le Borgne est également là. Erwan Le Borgne, le carte numéro 16. Alors Benjamin Toubouli qui a pris le shot, en tout cas devant monsieur Tesson. C'est parfait ce qu'on a réalisé. Allez, monsieur Toubouli toujours en tête. Et Philippe Tesson en seconde position. Monsieur Le Borgne en troisième position. Attention au carte numéro 49, il était l'un des animateurs en seconde manche. Monsieur Lefrançois mériterait, en tout cas quand l'on s'attarde davantage sur le carte numéro 49, mais alors que monsieur Tesson a décidé de reprendre les choses en main, d'aller signer peut-être la victoire avec le carte 83, et puis fait une superbe attaque, en tout cas dans cette Ultimano. Et Carrel Gazouane, c'est le pilotage au féminin, celle qui démontre en tout cas qu'il va falloir compter peut-être sur elle dans la finale B, en accordant la finale A. Ça va peut-être une de nos réchappées de la finale A. Ouais, pour monsieur Tesson, c'était une confirmation pour monsieur Le Borgne pour prendre la troisième place. Pour monsieur Lefrançois, les places d'honneur.